il est arrivé. Mais John Cropp était là aussi. Notre agent le plus compétent l'a pris en filature. Dans ce taxi, derrière le chauffeur, c'est une des plus grandes têtes du réseau. Dois-je vous rappeler ? Armes, drogue, proxénétisme, voiture ultra sportive, mais aussi un attentat qui se prépare à Los Santos. Lorsque toutes les grandes têtes du réseau seront réunies ici, on ne pourra plus faire marche arrière. C'est maintenant qu'on doit les intercepter un par un. Et pour commencer, c'est lui le premier, Camelo Kabila. El cabron, dépêche-toi à double lait. Notre agent a pris tous les risques pour localiser la zone de ce mafieux. Et ça a porté ses fruits. John Cropp nous a permis de comprendre tout ce petit manège, un quartier résidentiel et des ruelles pour leurs sales affaires. Nous sommes toujours en opération de reconnaissance, un hélico toutes les heures pour survoler la zone est de Los Santos, patrouiller dans cette zone pour leur montrer notre présence et assurer la sérénité auprès des citoyens. Nous avons pu localiser plus ou moins les zones d'activité. Camelo Kabila, c'est notre première grande tête présente sur notre sol, c'est notre cible prioritaire. On ne connaît pas précisément son adresse, mais on se doute du quartier dans lequel il vit. Pour ce qui est de tout le business en général, c'est plus à l'est, entre les usines, et on sait que les prochaines grandes têtes arriveront par avion. Lorsque vous patrouillerez, gardez un œil sur les gangs. Mais si vous trouvez Camelo Kabila, n'agissez jamais seul et ne prenez aucune mauvaise décision. C'est John Cropp qui doit vous donner le signal. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui enfin pour le deuxième épisode de LSPDFR. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, je suis au taquet et je vous remercie énormément pour vos retours. Je suis trop content et franchement, comptez sur moi pour vous proposer vraiment des épisodes, je l'espère, le plus qualitatif possible, avec un scénario qui bouge, avec des rebondissements, etc. Et voilà, j'espère vraiment que vous allez kiffer jusqu'au bout. Encore une fois, c'est pas toutes les semaines que vous allez avoir des épisodes, puisque justement le but c'est de travailler au mieux ces vidéos et tout le concept en lui-même. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, un petit peu ce qui se passe, on est un petit peu en patrouille dans cette zone, dans ces quartiers un petit peu... Alors c'est pas des quartiers tendus, mais il peut se passer des choses assez facilement. Et vous l'aurez compris, on a John Cropp qui n'est pas très loin, notre agent qui est là pour nous épauler et qui sait beaucoup de choses. Et il y a pas mal de trafic par ici. Donc nous, les amis, on est tout simplement là pour patrouiller, surveiller et surtout montrer notre présence. On doit pas. Le but du jeu, c'est pas de capturer. Alors comment il s'appelle de nouveau? Comment il s'appelle? Il s'appelle Camelo Kabila. Camelo Kabila, la première grande tête du réseau qui est présent sur les lieux. Le but, c'est pas de le capturer comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, les amis. Le but, c'est juste de montrer qu'on est là. Faites pas les cons. Et après, on va s'arranger, évidemment, pour faire en sorte de le capturer. Alors, hop, voilà. Je suis avec le petit G27. Tout fonctionne normalement. Attends, pourquoi ça ne marche pas là? Ah, c'est...
Ok, c'est configuré bizarrement, mais ça devrait le faire. Alors, je vais vous montrer un petit peu le checkpoint que j'ai fait. Hop, le voici, le voilà. On a fait sur le pont, tout simplement. Watch for stop vehicle. Un petit checkpoint sur le pont pour contrôler un petit peu tout le monde, vérifier que tout se passe bien. Et encore une fois, c'est surtout pour montrer notre présence. Évidemment, on a le FIB qui est sur place, juste ici, vous le voyez. Et on peut faire du coup des petits contrôles de routine. Alors lui, il va éviter de me rentrer dedans. On peut faire des petits contrôles de routine tranquillement. On va faire demi-tour, je vais juste vous montrer, hop là, le petit demi-tour des familles. Pour vous montrer de ce côté comment ça se passe. C'est très simpliste, hein. On a des agents de la sécurité qui sont là aussi pour surveiller. Et puis voilà, tout simplement, rien de plus simple, on peut faire des petits contrôles assez facilement. On va se mettre du coup les amis, Availables for Calls, du coup, comme ça on va pouvoir prendre les interventions. Donc on est là pour prendre des interventions de tout type dans le secteur, bien évidemment. Alors tout n'est pas configuré comme avant, j'ai dû faire des mises à jour en fait, LSPDFR a été redéveloppé, en tout cas il y a eu des mises à jour et c'est assez bizarre, on va juste faire demi-tour. J'ai dû tout remettre à jour et il y a des trucs qui sont pas encore opérationnels, mais c'est pas grave, les amis, on va faire avec, on va se débrouiller. J'ai installé un nouveau script, ça s'appelle Autopanic. À partir du moment où je donne un coup de feu, il y aura une équipe d'intervention qui va venir m'aider. Dans le premier épisode, vous avez vu que j'étais dans la galère, donc ça va nous aider. Waouh, hop, qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Police, tu t'arrêtes, police. Ok, bon il est bloqué. Sors du véhicule, les deux mains en évidence, qu'est-ce que tu fais? Les deux mains en évidence. À genoux. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, on va s'occuper de lui, c'est bon, ça passe, c'est parfait. Code 4. Ouah, mais qu'est-ce qu'il nous a fait lui? Mais il est taré mon pote. Ouais, alors il se passe des choses par ici, hein. Faut pas s'étonner, heureusement les collègues sont là pour épauler. Alors franchement, mais dès le début de l'épisode, il se passe plein de choses. Et j'ai aussi installé un nouveau mode que j'avais déjà à l'époque, c'est Realistic Sound, qui permet, enfin vous allez voir, quand on va donner des coups de feu, c'est vraiment incroyable. Bon, on va faire, va falloir libérer la voie, on va faire ça vite. Ok, il est pas recherché, ok, très bien, on va pas perdre plus de temps que ça, vous savez quoi, hop, police transport, on va s'occuper de lui. Et on va dégager de ce pas la voie, parce que là, les gens sont un petit peu impatients, voilà. Allez, on va appeler les services et on va pas se prendre plus la tête. Un véhicule suspect sur l'autoroute. Alors, c'est pas à côté, mais on va prendre cette intervention. On va y aller, code 2. Alors code 2, ça signifie, je me suis renseigné, qu'il faut y aller sans gyrophare et sans sirène. Voilà, et code 3 par contre, il faut vraiment tout donner, il faut aller vite et mettre les sirènes. Donc voilà, on va s'occuper de lui, on va voir un petit peu ce que c'est, parce qu'on est quand même dans les quartiers un petit peu où Camelo Kabila se promène. Donc un véhicule suspect, c'est toujours assez intéressant, on ne sait jamais, donc on va aller voir ça en tout cas. Je sais pas s'il a l'air, il a l'air d'être à l'arrêt. C'est pour ça les amis, hein. Bon après en France c'est un peu différent, mais vraiment si vous voyez des véhicules de police griller les feux rouges, que ce soit en moto ou en voiture, alors qu'ils n'ont pas leur sirène, ne croyez pas qu'ils sont pas forcément en intervention. Laissez-les passer et arrêtez de crier au scandale à chaque fois. Oula. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Oh punaise. Ok. On va vite. On va arrêter le trafic. Ok, on va arrêter le trafic. Oh punaise. On va vite appeler des pompiers. Ok, bon là elle est morte, hein. C'était totalement suicide. On va vite appeler les pompiers. Attends. Bon après il n'y a pas de stress, hein. C'est un peu trop tard, mais hop. On appelle les pompiers. Et ça fait un moment que j'ai plus joué, je sais plus. Voilà. On va mettre les barrières. Bon ça va, franchement. Franchement on a de la chance, hein. Pour cette intervention, il n'y a rien de très compliqué. Hein. Ah non, mais c'est pas ça qu'il faut. Il faut les vrais pompiers, là, les gars. Bon, en vrai, il n'y a plus de feu, hein. C'est trop tard. Oh, mon Dieu. Oh, mais c'est un scandale. Bon, là, on n'aura pas de problème. On va juste fouiller le cadavre qui n'a pas trop explosé. Il n'a pas brûlé, ça va. On va regarder un petit peu ce qu'elle avait sur elle. Putain, c'est chelou. Qu'est-ce qu'elle nous a fait, elle? Elle avait un couteau de poche. Bon, très bien. Et on est d'accord qu'elle a crié Alena Angel. On va faire un petit peu une petite recherche. Pet check, je sais pas si ça va marcher du coup. Ouais c'est bon, Alena Angel. Elle a dit le monde va brûler, je crois, le monde va brûler ou prendre feu, je sais pas quoi. Et du coup elle doit être complètement folle.
et elle n'est pas recherchée. Personne ne la connaît, très bien. Bon, est-ce que... Je pense très sincèrement que ça va être impossible à la réanimer. Bon, si vous voulez essayer, messieurs... Voilà, bon, ça c'était d'une évidence. Ça te fait rire ? Non, bah voilà, bah, c'est, ça c'est fait, c'est très bien. On va directement appeler les coroners. Et libérer la voix. Bon, bah rien à voir, du coup rien à voir. Avec Kamel Lokabila, je pense. Peut-être, alors faut faire gaffe, hein. Ça se peut, c'était une diversion le truc, tu sais, il se passe un truc à l'autre bout de la ville. On va directement, ouais, du coup, appeler les taux service. Et ben voilà, c'est tragique. C'est tragique. On n'en saura jamais plus. On n'en saura malheureusement jamais plus. On va, hop, voilà, libérer toutes les voies parce que ça va être le bazar. Attendez, par contre, les pompiers, vous évitez de l'écraser. Voilà. Eux, ils passent derrière. Hop. Oh non. Non, non, ils l'ont pas écrasé. Ils l'ont pas écrasé, je vous assure. Slow down, slow down, slow down. J'aurais pas dû... Slow down. On se calme. J'attends qu'ils libèrent tout ça. On va pas faire ça n'importe comment. Je vais sortir ma matraque, là, parce que je sais pas. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur, je vais pas vous mentir. Bon, c'est bon, là. C'est bon. Après, bon, le véhicule, il dérange pas. Les taux service, ils vont s'en occuper assez vite. Hop, il l'emmène. Ça, c'est nickel. Allez, parfait. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Hop, 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 monsieur, monsieur, vous allez où? Monsieur, monsieur, vous allez où? Monsieur, monsieur, arrêtez-vous. Eh, vous allez où, là? Vous êtes sur l'autoroute, là, monsieur? Attendez, venez, suivez-moi. Suivez-moi, on va se mettre sur le côté. Vous êtes sur l'autoroute, là, hein. Vous n'avez rien à faire, là, hein. En fait, concrètement. Ça va, monsieur? Vous avez vos papiers d'identité sur vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Il se passe tellement de choses, les gars. Dean Foster. Ok, il a le droit d'avoir des armes sur lui, donc on va juste faire gaffe. Attendez. Il me fait peur. Monsieur, vous faites quoi, en fait? Ouais, très bien. Ça, c'est toujours les mêmes réponses, ça m'énerve. Vous allez où, monsieur? Non, vous venez d'où, pardon? Du magasin, et vous allez où, là? Au boulot? Bah, il faut prendre la voiture pour aller sur l'autoroute. Vous vivez ici? Vous vivez plus dans le nord? Ah, et donc vous habitez pas du tout ici, hein. Là, on est carrément dans le... Bon, monsieur, vous repartez à pied, mais vous repartez dans la bonne direction, s'il vous plaît, d'accord? Voilà. Voilà, j'aurais peut-être dû faire un ped check. Attendez, monsieur. Voilà, c'est bon, monsieur. Excusez-moi, c'était juste pour vérifier. Allez, bonne journée. Ok, le véhicule, il se fait emmener. C'est parfait, on va pouvoir repartir. Et le soleil se couche, les amis. Le soleil se couche. Et là, ça va être le moment un petit peu, j'ai envie de dire, tendu. Voilà, me demandez pas pourquoi, mais j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur de tout ce qui pourrait se passer. Surtout dans ces quartiers, nous, on va repartir dans notre zone d'opération. Je vais juste clear traffic control et nous, on est reparti. Pour le moment, pas de coup de feu. C'est plutôt sympa, hein. Moi ça me dérange pas qu'il y ait pas de coup de feu, je vais pas vous mentir. Et nous on va tout simplement patrouiller. Voilà. Et je disais quoi tout à l'heure? Je disais oui, voilà, s'il y a des véhicules de police, beaucoup sont en intervention sans mettre les gyrophares. Donc ça vraiment, je dis ça, alors la majorité d'entre vous le savent déjà. Ouais, c'est bon, ça me pète les bonbons, hein. Hop. Du coup voilà, ne criez pas au scandale à chaque fois que... D'ailleurs regardez, je peux mettre les clignotants. Ah oui, c'est vrai, c'est bien ça. Hop là, voilà, petite découverte en live. Hop là. On va repartir sur notre petite zone tranquille ou bilou. Hop là, je rappelle que lui il a le droit de tourner à droite au feu rouge, hein. Aux États-Unis c'est un petit peu différent. Donc voilà. Code 1, ça veut dire on fait comme on veut, on intervient comme on veut. Code 2, ça veut dire on intervient sans gyrophare, sans sirène. C'est une petite urgence. Et code 3, par contre là on peut aller vite, on met les sirènes, les gyrophares, ça part. Et code 4, c'est quand l'intervention est terminée. Après il y a différents codes, il y a code 5, code 6, code 7, code 8. Eh, c'est... Oh, les gars, moi je suis pas américain, je suis pas policier. Donc c'est un peu compliqué, mais disons les trucs de base. C'est le plus important, je pense. Allez, j'aurais pu passer, de toute façon je tournais à droite. Hop là, et on est parti pour contrôler avec ce magnifique coucher de soleil. Voilà, et venez, on va contrôler ce véhicule juste devant nous, j'ai envie. J'ai envie de contrôler ce véhicule. C'est une manana. Et on va juste le suivre en attendant. Target vehicle license plate. Ok. 1 Young Ida David 906. Target is 10-4. Aucun problème, on est nickel, on est très très bien. Alors les amis, je vous l'ai déjà promis, je vous l'ai déjà dit, il y aura différents types de contenus en fonction du scénario. Donc il y aura des épisodes où on sera vraiment en mode banalisé et on va se contrôler, on va se promener dans les quartiers un petit peu sombres, dans les petites ruelles. Alors là ça peut ressembler un petit peu à ça, mais on fera ça vraiment en mode banalisé pour, voilà, un peu en mode bac, tu vois, enfin l'équivalent en France quoi. Donc on fera plein de trucs comme ça. Vous savez que dans le scénario, il y a des affaires de proxénétisme, donc il y aura pas mal aussi d'affaires en rapport avec
les filles de joie. Voilà, voilà. Il y aura vraiment plein de types de contenu. Comptez sur moi pour vous régaler et essayer de trouver des trucs assez sympas à faire au niveau du scénario. Hop là. Allez, on va demander, vous savez quoi, à la centrale, s'il n'y a pas quelque chose pour nous. Et bien voilà. Un véhicule. Trespassing. Ça veut dire quoi, trespassing? Je sais pas ce que ça veut dire. Je vais juste mettre les sirènes le temps d'y aller. Et puis après, je les couperai. En gros, les occupants du véhicule sont recherchés. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Par contre, trespassing, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et où c'est qu'ils vont? Oh non, ils vont prendre le pont. Ah, ça c'est chiant, ils vont prendre le tunnel. Là, ça va être compliqué, là. Enfin, le tunnel. Ils vont prendre le pont et c'est chiant parce que c'est assez loin de notre zone de contrôle. Alors, on y retournera après, hein, je vous rassure. On va déjà s'occuper d'eux. Et on va enlever les sirènes une fois qu'on sera derrière eux, évidemment. Bah, je vais les enlever maintenant, en fait, hein, parce que sinon, ils vont me cramer assez vite. Allez, on y va. C'est un petit peu dangereux. On va pas aller trop vite. Hop là. D'ailleurs, est-ce qu'on en saurait un petit peu plus sur eux? Attendez, si je fais ça, normalement... Ah, ça marche pas, il faut être à l'arrêt. Ok. En fait, je voulais ouvrir mon ordinateur, mais il faut faire ça à l'arrêt, mais c'est pas grave. On va y aller. Oh putain, ils sont très très longs. Et ils vont super vite. Non, ils vont très très vite, par contre, je crois. Oh là là, c'est trop... Par contre, l'évitement était parfait. Hein. L'évitement était parfait. Ils vont très vite, donc je vais en profiter. On va y aller avec les sirènes et on va les arrêter pour, je pense, excès de vitesse. Je pense qu'ils vont vite. Hein. J'ai quand même du mal à les rattraper. Je suis à 140 km/h, faut peut-être pas exagérer quoi. C'est eux là devant je crois, non? C'est pas eux. C'est bon, je les vois. C'est le véhicule de droite. Ok, c'est celui-là là. C'est celui-là. Police, mettez-vous sur le côté, on s'arrête. C'est pour un contrôle d'excès de vitesse. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, c'est pas grave. Police, mettez-vous sur le côté s'il vous plaît. Hop. Pour le moment, ils ont pas envie de coopérer. C'est normal, j'ai pas les sirènes. Allez. Merci de tempérer, vous pouvez vous mettre sur le côté. Ok, là pour le moment ça ne veut pas. On va y arriver, on va y arriver. On y croit. Ah, c'est un refus d'obtempérer pour le moment là. Ça y est, 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 ça y est. Ils ont accepté, on va se mettre devant. Hop là. Oh là, ils sont beaucoup par contre. Oh collègue, s'il vous plaît, reste là. Ah, le collègue, il veut pas rester là. Trafic stop. Il est con lui. C'est pas grave, on a rien vu, on a rien vu. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Voilà, des collègues sur place parce que sinon on va jamais y arriver. Ils sortent. Ça y est, ça y est, ça y est, ils ont des armes, ils ont des armes, ils ont des armes. Ça tire, ça tire. Ça tire. Arrête-toi! Jette ton arme, jette ton arme! Les mains en l'air! Ça va les collègues? Attends là, ça tire. Ça tire, ça tire, ça tire. Reste au sol toi, reste au sol! Vous voyez les collègues, ils arrivent, hein, toutes les unités, donc ça c'est vraiment super bien fait. Les bruitages également des armes. Ok, bon lui, on le surveille. On va vite le menotter, on va vite le menotter. Ça tire, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Parfait. Parfait, parfait. On va vite le mettre sur le côté là. Tac, tu restes ici toi. Tu restes ici, tu te mets à genoux. Ok, là c'est safe. Tout le monde arrive, les unités. On va arrêter le trafic. On va mettre, évidemment, interdiction de passer. J'ai les collègues qui m'assistent, ça c'est parfait. Et là aussi, hop, voilà, personne ne passe. Hein. Là c'est une scène de... Là c'est une sacrée scène. Bon, on récupère son arme. On va le fouiller vite fait. Ok, j'ai les collègues là-bas, vous les voyez. Les collègues, ils sont en train de surveiller le mec qu'on a menotté. Évidemment, on va pas le laisser seul, donc c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il avait, lui? Ok, on avait de toute façon récupéré son arme. Billy Goodman. Billy Goodman, est-ce qu'on peut faire un pet check sur lui, là? Vite fait, là. Ah non, c'est Johnny Black. Non, c'est pas bon. Ça, c'est mon collègue, Johnny Black. Ça, c'est mon collègue. Moi, je veux lui, là. Ah, il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Du coup, on va appeler les coroners. Putain, j'arrive à rien voir, les gars, avec toutes les notifications. C'est incroyable. Le véhicule. On va le fouiller en deux spies.
Alors, évidemment, y avait de la drogue. Plein de petites choses comme ça. Pareil, on va directement... tu sais quoi déjà? Ah oui, on va faire un véhicule check, tiens. Enfin, on sait très bien qu'ils étaient recherchés, les occupants, mais juste pour... Ouais. Le reste, on s'en fout. Ok. Allez, on va dégager la voie. Et alors, lui, mon pote, il va prendre Tarif. Bon, monsieur, on se relève, là. Request pet check. Déjà, ouais, on va voir Tequito. Ça marche pas. Dermot Madiston. Et alors, monsieur? Outstanding. Donc, il est recherché, hein, évidemment. Donc, ça, c'est parfait. Allez, get up, stand up. Get up for your rights. Allez, collègue, tu le fouilles. N'hésite pas à lui toucher le fion. Ça va, je rigole. Allez, vas-y. Régale-nous. Qu'est-ce qu'il a sur lui? Bah, je crois qu'il avait pas d'arme en vrai. Hein. Il avait une amende sur lui en plus. Très bien. Bon, monsieur. Police transporte, hein, ça dégage. Hein. Ça dégage. Le corps se fait emmener. Le véhicule va partir aussi. On dégage tout ça. Je vais enlever toutes les barrières. On va enlever le traffic control. Et je crois que là on sera pas mal. Là lui il se fait emmener. Allez c'est parti, on se casse. C'est une fin d'intervention. Et les amis, je vous retrouve à notre checkpoint sur le pont, bien évidemment. Le collègue il s'en fout. Alors regardez l'équipe. Là on est une équipe. Eh, on est vraiment pas mal là. Là on est vraiment pas mal. On dirait la patrouille de France si je me mets au milieu, regardez. Pas mal hein. Et regardez-moi ça les amis, comme c'est beau et comme c'est un petit peu effrayant à la fois, hein, ce petit checkpoint de nuit. On a évidemment plein de lumière un peu de partout. Pardon collègue. Oh bah ça va, fais pas ta victime non plus. Bah exagère pas, bah Michel. Oh. Ils sont pas très sportifs quand même par ici. Hein. Bon enfin, vous voyez un petit peu le délire, les petites lumières, c'est toujours un petit peu sympathique. Là, il y a personne à l'intérieur, personne travaille là, c'est quoi ça? Personne ne travaille, ça y est, le soir, ils sont un peu fatigués. Ah, là, il y en a qui vérifient quand même aux jumelles. Bon, bah quand même, il y en a quand même un peu qui bossent, ça va. En tout cas, voilà, on est évidemment aux aguets. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Et puis nous, en tout cas, on va se remettre available for calls parce que j'avais désactivé ça tout à l'heure quand on était en intervention. En tout cas, j'espère que vous kiffez cet épisode. On est plutôt pas mal, là, j'ai envie de dire. Putain, alors, le monsieur ne veut pas me laisser passer maintenant. Eh, oh, Michel, je sais plus comment tu t'appelles. Hop, on va rentrer dans le véhicule. Vous savez ce qu'on va faire? On va activer la LPR. Hop. En gros, ça détecte les plaques d'immatriculation. C'est typiquement l'intervention de tout à l'heure, en fait, sauf que c'était des caméras qui nous ont informés. Là, c'est directement la caméra de notre véhicule qui va nous dire s'il y a des choses suspectes, si des véhicules sont enregistrés dans la base de données, s'ils sont recherchés ou non. En tout cas, voilà. Nous, on va faire un petit tour. Et vous savez quoi? Ok. On y va. On a une personne... qui attaque à la station de train avec un couteau. Ok, on y va. Oh là là. Alors là, mon pote, le temps qu'on arrive, il y aura déjà tout le monde qui sera découpé en morceaux, je te le dis. Mais on va tout faire pour que ça se passe bien. Bon, on s'en fout là, on scanne des plaques. Ça se passe où? C'est à la station de train. Oh là 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 là, le temps qu'on arrive, j'ai peur. On va vite sortir la para. Oh là là, dégagez. Merci. Ça se passe ici. Ça tire. Oh non, il y en a un à terre. Non, arrête-toi. Là, le problème, c'est que si je donne un coup de feu, il y a toute la cité qui se réveille. Bon, l'homme à terre sera pris en charge rapidement par les pompiers. Hein. Il y aura les collègues qui s'en occuperont. Nous, on va s'occuper de lui, évidemment. Oh, il essaie de voler un véhicule. Arrête! Voilà! Les mains en l'air! Relève-toi! C'est bon, on l'a. Tu t'arrêtes nulle part, vas-y, voilà, mets-toi au sol. Tu vas faire quoi maintenant? C'est quoi de ça? Allez, ça dégage. Des pourritures comme ça, là, Chris Bay. Sale pourriture, va. Bon, on va pas faire de bavure, mais je me permets un petit peu de l'insulter parce que quand même, vous avez vu ce qu'il a fait? Allez, là, ça dégage. Bon, on va laisser les propriétaires du véhicule reprendre leur... Allez, cours, on va... Wow, t'as craqué, toi! Tu te débats pas, toi! Tu viens avec moi! Qu'est-ce qu'ils font? Eh, mais les gars, arrêtez! Mais il est complètement con, lui, ou quoi?
Bon, écoutez, les mains dans le dos. Les mains dans le dos, frérot. Non, mais là, oh, il vient de... ce qui se passe. Non, mais ce qui se passe, les gars, c'est improbable. Un gang qui vient de... Mais... Bon, je récupère l'argent. On va... Mais what? J'en peux plus. Je sais plus quoi faire. Je suis au bout. Je suis au bout du bout du bout. Attendez. On va appeler les ambulances. Oh non, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Un collègue va venir vous chercher, monsieur. Attends, je me suis trompé. Ah bah si, les deux. Voilà. Les collègues vont s'occuper de vous. Je vais juste vérifier là-bas si le monsieur a été pris en charge. Ah putain, il a pas été pris en charge. Il a pas été pris en charge. Je vais... écoutez, les gars, j'ai mes qualifications. Je vais tenter de le réanimer, d'accord? Je vais essayer un petit peu les premiers soins. J'ai eu des qualifications, donc... allez, on y croit. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes conscient, monsieur? Oui, monsieur, voilà! What? Non, mais il se passe trop de choses, les gars. J'ai entendu une explosion. Prenez votre temps, monsieur, tout va bien. Vous avez été attaqué. Vous vous sentez bien, monsieur? Vous sentez bien, monsieur? Tout va bien, hein, tout est under control. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, elle? Ils sont complètement cons. C'est là-bas qu'il y a un mec par terre, hein, voilà. Non, mais c'est là-bas. Madame, c'est là-bas. Je me suis occupé de lui. Allez-y. Là, il y a votre collègue qui est parti. Vous êtes conne, madame. Madame, on se réveille? Madame, vous êtes... Mais vous êtes conne, mais c'est pas possible. Bon, bref. Ça va, monsieur? Tout va bien? Bon, allez, relevez-vous. Je vais vous demander vos papiers d'identité si vous voulez bien. C'est juste un petit contrôle du coup si ça va mieux. Ok, très bien. Bon monsieur, je vous appelle une ambulance quand même, d'accord? Je vous appelle une ambulance, vous allez pas repartir comme ça, hein. Vous avez pris quand même un coup de couteau, hein. Il a quand même pris un coup de couteau, mon pote, hein. Si vous voulez porter plainte, vous pourrez porter plainte, hein. Monsieur a été emmené au poste, donc voilà, y a pas de problème. Ce sera même pas sa parole contre la vôtre, hein. On a eu les preuves, hein. Vous inquiétez pas, hein. Donc y a pas de soucis. Bah bonne journée monsieur, les ambulances y arrivent. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que j'ai bien géré la situation. Alors, on est sur GTA, on fait comme on peut, mais je pense que j'ai plutôt bien géré la situation. Bon, les ambulanciers, ils arrivent, je peux le laisser, hein. Peut-être pas non plus exagérer. Voilà, ça c'est fait. Bon, on a bien fait d'intervenir. Nous, on va repartir sur notre zone, notre petite zone de mission. Parce que là, on est vraiment dans les quartiers des Balas. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas les Balas, c'est vraiment dans les quartiers... dans les quartiers est. Enfin bref, on se comprend. Allez, laisse-moi passer toi. Tac, voilà bébé. Allez, on y va. Ah, y a vraiment de ces fous, hein. Il fait nuit, les gens ils attendent le train et ils se prennent des coups de couteau. Alors par contre, en parlant de train, on s'est fait un petit peu avoir. Ah, je n'ai pas le talent de John Cropp pour passer en même temps que le train passe, hein. Faut pas exagérer non plus. Je ne suis pas au-dessus des lois non plus. Voilà, et bien les amis, je vous reprends dès qu'on a une nouvelle intervention, à tout de suite. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça, eh? Allez, on y va, il y a un prisonnier qui s'est échappé, oh là. Alors là, mon pote, qu'est-ce que c'est que ça? On va y aller, hein, parce que toutes les unités doivent y aller. Je suis au plus proche, mais qu'est-ce que c'est que ça, un prisonnier? Un prisonnier qui s'est échappé, mais n'importe quoi. Bon, on va y aller, je vais même pas chercher à comprendre comment il a pu faire ça. Oh mon dieu, attends, je vais enlever les sirènes. Oh, ça tire! Ok, il est là, je l'ai vu. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Arrête-toi. Descends du véhicule, mais il est malade. Couche-toi au sol. Mais il est taré, lui, mon pote. Il est taré. Il me faut des... Une patrouille en plus, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Il avait une arme sur lui, je crois. Je crois bien. Merde. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Hé! Hey! Putain, mais je me fais attaquer, y'a personne pour m'aider. C'est bon, j'ai du collègue, je crois. Il est malade. Il est complètement fou, lui. Bon, bref, mes collègues ont du mal. Bon, c'est bon, lui, on l'a eu. Mais il est malade, lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? On va le fouiller vite fait. Les collègues qui arrivent une heure après, c'est pas grave. Oh là là!
Eh ben, ça s'est pas passé comme prévu, mais par contre, je comprends pas, il a buté un... Ah merde, d'accord. Ah oui, je me disais bien. Faut surveiller un peu les lieux, là, j'ai un peu peur d'où on est, là. On est carrément dans un bourbier, mon pote. On est carrément dans un bourbier, j'aime pas ça. On va libérer la voie. Ok. Le collègue emporte le suspect. Mais attendez, les gars, je voulais vous faire de la place. Hop, dégage. Voilà. Bon, c'est bon, ils s'occupent. J'espère qu'ils vont réussir à la réanimer quand même. Hein. J'espère qu'ils vont quand même réussir à la réanimer. Enfin, le réanimer, pardon. Oh là là, ils ont pas réussi. Bon, on va les laisser s'occuper de lui. Ah, j'ai le seum. Ah oui, non, lui, c'est bon. Lui, c'est un enfoiré. Bon, on va laisser les collègues s'en occuper. Nous, je pense qu'on a fait quand même pas mal de paperasse, hein, finalement. J'ai envie de dire, on a quand même fait pas mal de choses. Nous, on est là pour un petit peu l'intervention. Je vais pas vous proposer tout le temps la même chose, les amis. Donc, on va tout simplement repartir et les laisser gérer la situation. Bon, notre véhicule est un petit peu cassé, mais il est toujours en... Oh, ça va, il est toujours en état. On a eu un impact de balle, mais il est toujours en état de servir. Donc, c'est nickel, les amis. On va de nouveau sur notre checkpoint. Ah oui, d'accord. En fait, on était carrément dans le quartier de Camello Kabila. Je viens de remarquer, en fait. Ah ouais, ça, c'est... C'est un peu chaud quand même. What? Ok. Une exposition indécente. Bon, c'est une personne à poil, hein, vous l'aurez compris. Qui se situerait donc, qui nous a été signalé. D'accord. Eh mais les gars, alors, juste ici, pour vous expliquer, je pense que vous l'avez vu à la cinématique du début, c'est un petit peu les quartiers où il se passe des choses de business. D'accord. C'est ici que il y a, on va dire, tout ce que Camello Kabila entreprend, et pas seulement. Hein, c'est là qu'il y a les grandes têtes du réseau qui bossent. D'accord. On est dans les quartiers chauds et il y a un mec qui serait à poil, enfin en tout cas d'une manière indécente, là-bas. Alors on va quand même prendre nos précautions parce que c'est, encore une fois, tu sais, c'est tout peut être possible, hein. Tout peut être possible, ça peut très bien être une diversion, on sait pas. Mais what the fuck. On va y aller tranquillement, hein, pas besoin de sirène, mais... Ok, là, juste là. Oh non, c'est une femme, je vais avoir des problèmes avec YouTube. Oh, j'ai la flemme de censurer. Oh, j'ai la flemme de censurer. Bon, je vais censurer. Bon. Madame! Et en plus, elle veut prendre la fuite. Non. Madame, c'est pas cool. C'est pas cool, madame. Bah oui, mais quand on veut pas montrer ses nichons, on s'habille. Mais non, mais madame, arrêtez-vous. S'il vous plaît, madame, je vais pas vous faire du mal. Je vais pas vous faire du mal. Vous me faites plus de mal à ma chaîne YouTube qu'autre chose. Allez, madame. Madame! Je peux pas monter sur le trottoir. Attendez, j'ai une idée. Bye, ça c'était sûr. Ça c'était sûr. Oh là 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 là. Mais peut-être qu'elle a pas compris que c'était la police, attendez. C'est la police, madame. Oh là 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 là, on va rien vous faire. Revenez. Oh punaise, c'est pas possible. Je vais vous taser, madame. Premier avertissement, vous allez vous prendre un pistolet taser. Ah, parfait. Arrêtez-vous. Les deux mains en l'air. Voilà. Très joli, hein. Bon, allez. À genoux. Oh là là, ça c'est... Bon, bref. On va fermer les yeux, les amis, hein. YouTube, s'il vous plaît, fermez les yeux. Voilà, on va éviter de montrer par devant. On va essayer quand même de mener une enquête. Hop là. Bon, tant qu'on voit par derrière, ça va, j'aurai pas de problème. Mais c'est juste le devant, faire gaffe, quoi. Bon, on va se mettre ici, sur le côté. Je vais pas l'emmener dans la voiture parce que ça ferait un peu bizarre. Ah, je peux pas. Ok, je vais appeler une collègue féminine. Et oui, parce qu'il va falloir la fouiller. Alors, elle a pas grand chose sur elle, hein. Entre nous, elle a qu'une seule culotte, hein. Mais on peut mettre des choses dans une culotte, vous savez. Enfin, dans un string, ou je sais pas ce que c'est. Non, c'est pas un string, excusez-moi. Donc, on va appeler collègue qui. Voilà, parce que du coup, c'est logique. Un homme ne peut pas toucher une femme, et voilà, c'est comme ça. On peut pas faire autrement. En tout cas, voilà. Allez, madame, venez. Salut collègue. Bon, tu t'occupes d'elle. A few moments later. Attendez, j'ai envie de me rincer l'œil quand même. Voilà, on se rince l'œil tranquillou bilou. Voilà, et vous pouvez pas. Allez, ça c'est fait. Bon allez, bonne journée les filles. Enfin, bonne nuit du coup. On va s'en arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors voilà, il n'y a pas eu trop de mouvements, en tout cas d'intervention mouvementée. Enfin, remarque, on a eu beaucoup de feu. D'ailleurs, j'espère que vous kiffez les effets sonores, mais
On n'a pas eu des grosses courses poursuites, on va dire. Et c'était un peu bizarre ce qui se passait par moment. Mais voilà, ça fait partie un petit peu du charme du truc et de cet épisode. Si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres épisodes. Alors, pas le prochain, hein, mais si vous voulez d'autres épisodes sur ce checkpoint, sur ce pont, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des idées, surtout, n'hésitez pas à les dire en commentaire, des idées de patrouille, etc. Ça va permettre aussi de faire avancer le scénario. En tout cas, moi, je vais lire vos retours avant de continuer, comme d'habitude. Et n'attendez pas le prochain épisode dans deux jours, ni dans une semaine. Voilà. Parce que vraiment, le but du jeu, c'est de pas vous faire des épisodes trop bâclés. Voilà, le but du jeu, c'est que ce soit bien travaillé. Par contre, on va juste faire cette dernière intervention. On a un conducteur sous influence, et vous savez que j'aime bien ce genre d'intervention, donc on va juste la faire proprement. Et puis après, on va vraiment s'en arrêter là. Et il est là, hop là. Et en effet, il roule n'importe comment. Oh là 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 là! Conduite dangereuse! Oh là là! Bon, attends, il est bloqué de toute façon. Oh là, il est complètement bloqué. Eh oh! Arrête, tu bouges plus, j'arrive! Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah bah j'ai ma collègue qui m'a rejoint. Monsieur, madame, pardon, sans... madame. Ok. Ça part en cacahuète là, madame. Et ça tire en plus. Mais non, fallait pas faire des coups de feu, les gars. Fallait pas donner des coups de feu. Elle est partie où? Oh non, ça part en cacahuète. Bon, là on est carrément sur un autre truc là. Ils sont où les coups de feu? Là on est carrément sur autre chose. Mais... attends, je vais la couvrir. On est sur une attaque de gang là. Ok, je vois. Je sais pas où c'est. Ok, touché. Ok, là il y a la mafia. Ça c'est le problème. Ah ouais, dans ces quartiers, mon pote là. Camilo Cabella, il a qu'à bien se tenir. Hein. Bon, il y a du collègue de partout, il se passe plus rien, je crois. Oh là là, je suis deg. Ah franchement je suis deck parce qu'à la base c'était juste une... Bon, il faut faire redescendre la pression là. Il faut faire redescendre la tension, les gars. On arrête tout. Voilà. On coupe les sirènes, on fait redescendre la tension. C'est comme ça que ça marche aussi en police mobile. Mais là il faut... Ok, ils ont retrouvé quelqu'un. Ok, bon, on va y aller vite fait. Je sais pas qui c'est. Est-ce que c'est la personne sous état d'influence? On va voir ça, les amis. On va se greffer à la poursuite. Parce qu'à la base, on était là pour ça. Mais bon, après, c'est pas grave. Elle nous a échappé. Il s'est passé ce qui s'est passé. Ok. Ah, les amis, là, voilà. Là, c'est mouvementé. C'est comme ça que j'aime. On sait pas ce qui se passe, mais il se passe. Et faut accepter des fois de ne pas savoir ce qui se passe. Et je pense que dans la police, il y a beaucoup de fois où tu sais pas ce qui se passe. Allez, on y va. Ah non, c'est la mafia, regardez. D'accord, ok. Quand tu vois ces 4x4 là, tu sais que c'est... tu sais que c'est pas bon. Arrête-toi, mon tir. On va crever les pneus dans un premier temps. Oh là là, c'est compliqué, hein. Allez, on y va. Vas-y, fais-lui un pit. Voilà, bien joué, collègue. Voilà, bien joué. C'est bon. Rends-toi. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. C'est pas du tout la mafia. Allez, mets-toi à genoux, mets-toi à terre. C'est bon, ça passe. On sait pas pourquoi il s'est fait poursuivre. En tout cas, il s'est fait poursuivre. Hard Rock. Excellent, le nom du mec. Ok, bon, allez. Allô, bonsoir. Allez, salut à tous. Bon, allez. On va pas perdre plus de temps. L'enquête sera faite par les collègues. Bon. Eh ben, quelle histoire! Mais quelle histoire, les gars! Quelle histoire! Moi, j'espère vraiment que vous avez kiffé cet épisode. N'oubliez pas de bombarder les pouces bleus. J'en ai besoin. Vraiment, j'en ai besoin parce que j'ai vraiment envie de vous proposer le meilleur. Je vais pas me répéter, en tout cas. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. La nuit va se calmer. Ne vous inquiétez pas. Je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde!